برحمتك يا أرحم الراحمين. Salam.
demander à Allah subhanahu wa ta'ala après chaque prière obligatoire. Bismillahirrahmanirrahim. Ô Allah, fais entrer la joie chez ceux qui reposent dans les tombes. Ô Allah, enrichis tous les pauvres. Ô Allah, rassasie tous les affamés. Ô Allah, habille tous ceux qui sont dévêtus. Ô Allah, aide à régler la dette de tous les endettés. Ô Allah, soulage la souffrance de tous ceux qui sont dans la détresse. Ô Allah, aide tous les réfugiés à rentrer chez eux. Ô Allah, libère tous les prisonniers. Ô Allah, réforme tout ce qui est immoral dans les affaires des musulmans. Ô Allah, guéris tous les malades. Ô Allah, comble notre pauvreté par ta richesse. Ô Allah, réforme notre situation précaire par l'excellence de ton état. Ô Allah, aide-nous à payer nos dettes et libère-nous de la pauvreté. Ô Allah, en ce mois béni de Ramzan, accepte toutes nos prières. Certes, tu es capable de toutes choses. Alhamdulillah, j'ai beaucoup entendu dire Amin. Mais après cette invocation, on doit se poser la question, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour que nos doigts soient acceptés? Cheikh nous a donné des réponses dans ses majalis antérieurs. Il faut que nos doigts soient suivis de Amal. Mais aujourd'hui, il y a un fléau. Un fléau qui nous entraîne tous dans son piège et qui nous empêche d'avoir un comportement digne de Shaykh Ali. Et ce fléau s'appelle WhatsApp. Pourquoi? On dit que Shaytan est enchaîné pendant le mois béni de Ramzan. Pourtant, nous passons plus de temps dans tout type de conversation sans intérêt et moins de temps dans Ibadat. Parce que nous sommes inondés d'appels aux dons avec des photos et des vidéos chocs, orphelins en Syrie, orphelins en Irak, orphelins en Palestine, orphelins en Afrique, vogere vogere. Résultat, trop d'informations tuent l'information. Alors le résultat aujourd'hui, à force de voir toutes ces photos et ces vidéos, notre cœur s'est habitué à la souffrance des gens. On regarde les photos, on regarde les vidéos, on dit ensuite « Bitsara, Allah subhanahu wa ta'ala, ene madad ma'ave ». Ensuite, on fait deux clics et puis on envoie un autre groupe. Et on s'arrête là. Pour sortir de ce piège, à méfier les énormes, comme tous les mois bénis de Ramadan précédent, Alhamdulillah, il y a la solution. Mais pour cela, il faut faire un effort. Aujourd'hui, Wafat de l'Abbé Khatija alayhi salam, excusez-moi, c'est plutôt, bon, on ne va pas dire le qualificatif, mais vous voyez comme moi-même. Donc, à méfier les enveloppes, comme tous les mois bénis de Ramzan, Alhamdulillah, nous nous rassemblons pour des prières communes et une nouveauté cette année, c'est le Quran Khani en français. Nous vous invitons à venir nombreux. S'il vous plaît, vous ne vous rendez pas compte ce que vous perdez comme avantage. Tous les soirs, un iftar fraternel, grâce à la participation de nombreux d'entre vous, une occasion pour moi de vous remercier d'avoir répondu à mon appel. En effet, vous êtes nombreux à emmener, en plus de chez vous, de la nourriture qui fait que le iftar, il est plus que copieux. Nous avons sélectionné pour vous des institutions où nous sommes sûrs que vos donations vont aller directement au Rokhtar. Ainsi, pour ce mois béni de Ramzan, nous vous avons invité à participer pour le iftar des orphelins à Hyderabad, qui est géré par Cheikh Farishta, que vous connaissez tous, ainsi que à Inisma à Madagascar, qui est géré par Cheikh Hanif. Bien entendu, Cheikh Hanif. Cette année, en plus de ce qui a été mis en place, je voudrais vous faire part d'une initiative nouvelle de notre méfie qui fera plaisir, j'en suis certain, aux nombreux Pakistanais, malheureusement je ne les vois pas beaucoup ce soir, aux nombreux Pakistanais qui se joignent à nous pendant le mois béni de Ramadan. Je vais demander à Talib Bhai de nous projeter la première photo. Actuellement, l'organisation
pennyappel.org a mis en place un programme de construction d'un orphelinat au Pakistan. Cette association a déjà à son actif des constructions d'orphelinats en Afrique, en Palestine et au Pakistan. Vous savez, je ne m'engage jamais tant que je n'ai pas la certitude du bien fondé des projets. Une personne de notre communauté, installée à Birmingham, Zinebe Moti, la fille de Zakir Bhai Valdi, qui a déjà une expérience pour des missions similaires au Soudan, en particulier pour la réalisation de puits, pour laquelle, grâce à vous, Méphile Zénob a participé également l'année dernière. Méphile Zénob a donc participé. Zinebe Moti s'est dotée d'une nouvelle noble mission. Photo 2, Talib, s'il te plaît. Celle d'accompagner la réalisation d'un pavillon pouvant recevoir 8 orphelins pour un montant de 40 000 pounds. Elle a déjà recueilli la promesse de don pour 20 000 pounds. Moi, je suis comme vous. On ne peut pas, malheureusement, participer à tous les projets humanitaires. Par contre, dans ce projet, qui est une opportunité pour chacun d'entre nous, pour faire savoir mes arrières. Photo 3, s'il te plaît. Non. Notre objectif n'est pas de faire du sensationnel. Nous ne voulons pas donner 10 000, 20 000, 30 000 euros, non. Nous voulons juste raviver l'humanisme dans le cœur de chacun d'entre nous par une donation symbolique de 1 000 euros en tout et pour tout. C'est un objectif, Inch'Allah, facile à atteindre. Tout en faisant faire profiter de cette opportunité au plus de gens possible. Comment? Nous nous sommes inspirés de ce qui se fait dans les pays anglo-saxons. Photo 4. Les Ansars, s'il te plaît. Un groupe de personnes a fourni gratuitement la matière première à fabriquer et conditionner des boîtes de Ansar de citron. Ces boîtes sont proposées à la vente pour la maudite somme de 10 euros. La totalité, je dis bien la totalité de la recette sera remise pour cette cause. Inch'Allah, j'espère avoir eu les mots justes pour que nombre d'entre vous puissent participer à ce savab jariya. Cheikh nous rapporte que d'après les hadiths, la dose des doigts est celle du sel pour agrémenter la nourriture. Moi, je dirais modestement qu'avec le achat de 10 euros que l'on vous propose, premièrement, vous achèterez une place au paradis, Inch'Allah. Deuxièmement, c'est le plus beau cadeau pour la fête des mères demain. Saru, Satchu, on est koitamé amakai bat nekare. Je voudrais terminer en vous rappelant que, Inch'Allah, demain dimanche, nous avons un séminaire pour le comment et le pourquoi du Qoms. Une initiative de Méphile Zénob, c'est une première. D'après mes informations, il n'y en a eu jamais ailleurs. Nous vous attendons nombreux, Inch'Allah. Le programme va commencer à 17h30 par Kouran Kani et sera suivi par le séminaire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
السلام عليك يا ابن نبي الله السلام عليك يا ابن امير المؤمنين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى صالح الحسين السلام عليكم جميع شهداء كربلاء ورحمه الله وبركاته السلام عليك يا مولا ابن مولا السلام عليك يا غريب الغربة السلطان ابن الحسن علي بن موسى رضا ورحمه الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان يا شفيق القرآن يا خليفة الرحمن يا مجد أجل الله تعالى فرجك وسأل الله تعالى مخرجك وسرورك ورحمة الله وبركاته لك سمنا ولا رزقك أفطرنا تتكبر منا إنك أنت السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم يا واسع مغفرتي اغفر لي بسم الله مدح عظیم کے رحمان السلام قرآن کے نزول کے سامان السلام رمضان السلام اے رمضان السلام رمضان السلام اے رمضان السلام انوار مصطفیٰ کے اجالا لیے ہوئے انوار مصطفیٰ کا اجالا لیے ہوئے اجالا لیے ہوئے اجالا لیے ہوئے حمد خدا کا ساتھ حوالہ لیے ہوئے حوالہ لیے ہوئے حوالہ لیے ہوئے گیا اے محض شان السلام تو آ گیا ہے اے محض شان السلام رمضان السلام اے رمضان السلام رمضان السلام اے رمضان السلام پھر مسجدوں میں رونق آباد ہو گئی پھر مسجدوں میں رونق آباد ہو گئی بھولی ہوئی عبادت فریاد ہو گئی فریاد ہو گئی فریاد ہو گئی ہم پر بڑا ہے تیرا یہ احسان السلام ہم پر بڑا ہے تیرا یہ احسان السلام رمضان السلام اے رمضان السلام اے رحمت عظیم کے مہمان السلام قرآن کے نزول کے سامان السلام رمضان السلام اے رمضان السلام مد عظیم کے رحمان السلام قرآن کے نزول کے سامان السلام رمضان السلام اے رمضان السلام رمضان السلام اے رمضان السلام انوار مصطفیٰ کے اجالا لیے ہوئے انوار مصطفیٰ کا اجالا لیے ہوئے اجالا لیے ہوئے اجالا لیے ہوئے حمد خدا کا ساتھ حوالہ لیے ہوئے حوالہ لیے ہوئے حوالہ لیے ہوئے گیا اے محض شان السلام تو آ گیا ہے اے محض شان السلام رمضان السلام اے رمضان السلام Ahora,
10 رمضان التاوي 10 رمضان التاوي بيلونا بيلونا ما شاء الله ما شاء الله.